Coucou, bonjour, comment allez-vous? Ben, je vais bien. Simplement pour vous dire que faites attention quand vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas. Il faut éviter de heurter la sensibilité des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mépris, qui ne supportent pas le mépris. Parce que nous autres, nous faisons beaucoup d'efforts pour respecter les gens. On n'aime pas le mépris. On ne supporte pas le mépris. Donc Facebook, pour moi, reste un endroit de convivialité, un endroit où j'ai vraiment pu trouver mon équilibre parce que j'ai reformulé mon puzzle des amis de longue date que je n'ai pas vu, ma famille que je n'ai pas vu, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs aujourd'hui. Pendant que vous pensez que tel est à tel endroit, on vous dit non, il a voyagé. Mais grâce à Facebook, j'ai pu renouer des contacts avec des gens que j'aime bien. Donc moi j'aime Facebook pour cet apport-là, m'avoir permis de renouer contact avec des gens que je n'ai pas rencontrés depuis. Et parfois quand je ne peux pas aller au Cameroun, je suis en contact avec les membres de ma famille. Il y a WhatsApp, il y a Facebook. Si quelqu'un veut savoir si je suis en bonne santé, il suffit d'aller sur Facebook, tu sauras que je vais bien. Je ne suis pas obligée d'intervenir tout le temps sur Facebook quand je suis occupée. Comme quand je suis en voyage, je ne peux pas intervenir. Comme en ce moment, je me déplace beaucoup pour mes ouvrages et des gens que j'aide pour mes ouvrages. Donc, je ne peux pas être tout le temps connectée. Mais quand je suis connectée, c'est toujours avec un réel plaisir pour vous parler, vous dire que la relation que j'ai établie avec vous est une belle relation qui m'apporte, et j'espère que d'abord, sinon je n'aurais pas autant d'abonnés ou de fans. Je suis très fière d'avoir pu trouver une équipe avec qui je dialogue en toute sérénité, avec qui je fais des échanges fructueux, qui me permettent aussi d'avancer. Voilà, je suis contente. Je tenais à vous parler, vous dire que je vais très bien. Je me porte bien, comme mon Charles. 51 ans. 51 ans dans la paix, 51 ans dans la sérénité, 51 ans dans l'amour, 51 ans en paix avec moi-même, mes amis, ceux qui m'aiment, ceux qui me soutiennent. Donc Facebook a ces vertus-là de nous apporter de l'amour, de la joie, de la paix. Il m'arrive aussi de faire des coups de gueule. C'est quelque chose qui est aussi légitime parce que je ne sais pas pourquoi des rapaces, des esprits chagrins veulent empêcher les autres de s'épanouir. Quand tu as déjà raté ta vie, quand tu as déjà raté ton parcours, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Qu'à toi-même. Parce qu'une jeune fille comme moi, 51 ans bien sonné, je respire. J'ai la forme, j'ai une bonne humeur, j'ai une bonne mine, j'ai un poids que beaucoup envient parce que je ne fais pas n'importe quoi. Et je sais que je représente une élite, je représente la catégorie de femmes intelligentes et émancipées. Donc je fais attention, je fais vraiment attention. Je ne fais pas n'importe quoi. Je sais que je représente beaucoup de femmes qui sont dignes et fières, qui n'ont jamais trempé dans la bêtise. Donc je fais attention. Et chaque jour, je contrôle ce que je fais, ce que je dis. Et on est des humains. Il m'arrive d'avoir des coups de gueule sanglants, mais c'est de bon ton et c'est légitime. Je ne vais pas me laisser intimider par la pègre, l'idiotie, la bêtise. Parce que moi j'ai une fierté, moi je sais ce que je veux, je ne peux pas accepter que n'importe qui me parle. Je ne peux pas tolérer que la poubelle me parle. Des gens sans vergogne, des gens sans forme ni beauté, des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaise vie, culture de caniveau. Donc quand j'ai eu ces réactions, eh bien, il faut que je montre que non, je ne suis pas à la portée de la bêtise. Pour me parler, il faut bien réfléchir. Hein. Tu te laves, tu t'habilles bien, tu t'exprimes bien en français.
Je ne veux pas que des ignorantes me parlent. Quand les ignorants me parlent, je ne suis pas d'accord. Et c'est là où j'ai souvent intervenu. J'aime les gens. Je vais continuer à aimer les gens. Je vous embrasse. Je vous aime. Et je vous dis à bientôt. Restez toujours de bonne humeur. À bientôt. Au revoir. Ciao.